Salut à tous, donc on se retrouve pour la 49e partie de Golden Sun 2 et on va aller récupérer quelques invocations donc, que je n'avais pas récupérées avant. Alors, la première on ne pouvait pas encore la récupérer parce qu'il fallait avoir le bateau volant. Donc elle se trouve ici, voilà, la petite caverne que vous voyez là. Alors voler ça sert aussi, bon ça sert aussi d'abord à comment à passer par-dessus les trucs, mais ça sert aussi à esquiver les ennemis en fait. Tant qu'on vole, on peut pas avoir de rencontre à la fois. Par contre, ça mange de... Comment ? De la synergie à tout le monde, hein. Pour lui perso. Mais bon, moi je pense que ça pourrait être utile. Ah. Il va enfin. Ça va bouffer de la synergie à tous les persos. Même ceux qui sont pas dans l'équipe, il me semble. Ah non. Donc nous voilà dans la grotte d'Ateka. Alors ça c'est pas trop dur. Hein. De toute façon tous les trucs d'invocation c'est pas très dur. La plus chiante c'est celle des catacombes mais maintenant. Voilà, vous mettez là. Tout est séché. Voilà. Maintenant, on va passer vers là. Hop. Et voilà, une nouvelle invocation. Donc excusez-moi si on n'entend pas très bien dans les deux précédentes vidéos, mais là bon. J'essaye de faire des réglages, bon ça c'est chiant quoi. Vu que ça fait pas longtemps que j'utilise cette méthode d'enregistrement. Donc... Voilà, j'ai quelques soucis, mais bon, dans l'ensemble je suis content, je trouve que la qualité est bien mieux que... avant et c'est pas tout aussi. Voilà. Donc maintenant ça c'est fait. Alors maintenant on va devoir aller assez loin puisqu'on va retourner de l'autre côté du monde. Comme ce monde n'est pas rond, on peut pas passer à gauche. Enfin, je vais essayer de venir. C'est-à-dire que si on va là, bah, on s'arrête. En fait, on ne retrouve pas. C'est un monde plat en fait, Golden Sun 2, ça c'est original. Voilà, donc on va aller récupérer une nouvelle invocation à Izumo. D'ailleurs ça fait un bail qu'on a pu la récupérer, mais j'ai un petit peu foncé j'avoue, et du coup on va le résultat. Quoi. Donc bon, je gâche toute ma synergie, mais je la récupérerai plus tard ou un petit peu. Alors, je trouve que le chemin. Voilà, donc on passe par les falaises de Mournoan pour aller de l'autre côté. Et on va aller à Izumo qui se trouve ici. Hein. Donc bon. Je vous avoue que cette vidéo va pas être très palpitante. Faudrait que j'apprenne à parler aussi. Parce que bon, tout ce qu'on va voir en fait c'est un peu de... Bon, on récupère des invocations et puis... j'en chie un peu vu que j'ai... C'est un petit peu éparpillé partout. Je regarde souvent la carte parce que de toute façon la rotation aura des belles têtes. Voilà. Ouais, comme ça si vous aimez la musique du bateau, vous allez être gâté. C'est du nord-ouest. Normalement si je vais par là, je peux retourner sur cette vidéo. Mais je suis pas du nord. Un peu. Okay. Ah bah ça va, putain, je me débrouille bien. Bon, j'avoue que j'ai une carte à côté de moi. Voilà, donc là on va y aller. Si vous rappelez bien, j'étais allé à un endroit et on pouvait pas continuer en fait. Je suis même pas sûr de pouvoir récupérer toutes les invocations tout de suite, alors vous voyez. Ça lag un petit peu quand c'est ça. Donc voilà. Et là on utilise Vision. Donc là bah, ils l'ont tous les deux en fait, hein, vu qu'ils ont tous les deux tourbillons aussi.
Vu qu'on a deux mystiques de chaque élément. Ouh là là, ça lag à mort là. Voilà. Donc alors là c'est pas dur. Il suffit de faire un prima. Sable. Voilà. Et on passe par dessus. Bon, par contre, je me rappelle pas du tout à quoi ressemble la caverne. Peut-être un petit peu me paumer. Bon, elle est pas géante, mais je crois qu'il y a des monstres en plus. Si je me trompe pas, faut passer par là. Ouais, c'est ça. Bon, ces vidéos, je vous ai dit, je les ai déjà faites. Ça pourrait pas être pire, hein, parce que déjà ça laguait quand j'étais sur le bateau. Et en plus, c'était pas terrible, j'étais un peu paumé quoi. J'avais la flemme de recommencer la vidéo. Mais bon là, après 3 mois, j'avais tellement envie d'enregistrer que... Je vous jure, c'est un plaisir, même si ça se voit pas, mais voilà. Voilà. Oh, mais c'est trop top. Comme les verts comme ça, ce qui est bien avec eux c'est qu'ils sont très faibles, on voit pas où ils jouent. Ils donnent pas mal d'expérience en fait. Bon là bon ils sont de bas niveau mais... En général tous les trucs de type vert comme ça. Les verts bleus, donc c'est pas loin. Bon j'arrête de dire de la merde, je vais en gauche. Ouais, en fait, je sais où sont toutes les invocations parce que j'ai des petites cartes à côté de moi en fait. Parce que oui, je m'en rappelle pas par cœur. D'ailleurs, c'est bête parce que Mégère, par exemple, j'aurais pu la récupérer beaucoup plus tôt. Ah bon. Puisqu'elle se trouve à côté de Mikasala, je crois. Enfin, là, le village où il y avait le loup-garou. Ça, j'aurais pu le faire depuis le début. Sortais du village, j'aurais pu le récupérer, mais bon, je fais le point. Je vois ce que... Voilà, et donc j'ai au pif et je trouve le chemin, quoi. Non, c'est... Ah. Donc là, j'ai pris cette équipe pour faire le bourrin, quoi. Et puis soigner avec Sophia, mais contre les boss, j'utiliserai pas ça. Hein. Faut absolument un mystique de l'air pour faire protection. Et sinon, bah, c'est une équipe qui m'a sacré. Sans protection... Ou alors faut bien jouer quoi. Ce qui n'est pas forcément mon cas, vous avez remarqué. Et voilà la nouvelle stèle. Je vous montrerai de toute façon toutes les invocations, même si je vous montre pas en jeu. Je ferai des vidéos spéciales, hein, je vous l'avais déjà dit, pour montrer toutes les... une vidéo où je montrerai toutes les invocations comme ça. Peut-être une vidéo où je montrerai tous les djinns, mais ça j'en suis pas sûr. Voilà, là on va aller à l'auberge. Et ensuite, rendez-vous maître de Mikasala, comme je vous l'avais dit. Voilà, c'est juste histoire de me régénérer un peu, surtout mes pp. Voilà, on comprend. Voilà le bateau. Et on va se retrouver maintenant par ici. Voilà. Ensuite il y aura un truc là à Madra, dans les catacombes. Et après bah, je pense que la vidéo sera finie à mon avis. Et on pourra bah, aller par là après pour la suite. Pour le mont Magma. Puis il y aura une petite invocation pour voir les... Bon, n'empêche qu'on n'en serait pas là si j'avais fait les trucs dans l'ordre. Mais bon, comme ça, je peux trouver une excuse à la con, là, mais...
veux dire, c'est qu'au moins, bon... Et toutes les invocations à la suite. C'est pas ce que je cherchais dans toutes les vidéos, mais... C'est pas très bien. Alors, voilà... Bon, là, je passe par là. Parce que maintenant, on peut passer par-dessus le petit truc, là. Avant, on pouvait pas. On était obligé de faire le tour. Donc, je passe à Yalam pour aller voir le forgeron. Donc, j'aurai pas pour longtemps. Ah oui, et au passage, vous allez voir, avec Garrett. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Il y a un truc à faire ici pourtant. Enfin, j'aime pas la musique de ce truc-là. Enfin, j'aime bien, mais je suis le plus. Bon, c'est horrible. C'est trop triste. Voilà, et là on obtient une arme très puissante. Oula, un gros bug. Voilà. Donc vous allez voir que c'est une arme vraiment puissante. Et pour cause, puisqu'elle est plus puissante que la... Ah non, même pas. Vous aurez cru. Voilà. Donc il pourra donner son faveur pour le bouquin. Voilà. Donc vous allez voir, une arme vraiment utile. Une bonne relique comme on les aime. Et on va aller voir le forgeron. Ah oui, je vais déjà donner un objet à forger. Donc alors, pour les deux meilleures armes forgeables, qui font partie des trois meilleures armes du jeu, il y a le Réalcon qui forge l'Excalibur, et ça qui forge la lame d'Achéron, je crois, ou la hache d'Achéron, je sais plus. Non, c'est la lame d'Achéron. Donc ça c'est... Bon, le truc c'est que c'est aléatoire, ça peut donner soit des armures, soit des armes. Alors si ça donne des armes, bah j'ai de la chance. Parce que ça va me donner une des meilleures armes du jeu, hein. Quoi que pour Excalibur, je suis pas sûr que c'est le Réalcon. Enfin bon. Donc vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas l'arme, c'est pas grave, ça n'a aucune importance, parce qu'en fait, il y a moyen d'en avoir d'autres des matières obscures de Réalcon. On peut les trouver sur des ennemis, bon c'est assez rare mais de toute façon si j'ai pas les armes là, je ferai hors vidéo des combats pour obtenir d'autres matériaux quoi. Voilà. Donc merci à quelqu'un dont je me rappelle plus le nom, malheureusement. Merde. Qui m'a dit qu'on pouvait aller directement chez le prêtre et quand on revient... Parce que si on sort du village et qu'on revient, voilà, l'objet est prêt. Mais si on va chez le prêtre, c'est plus rapide. L'objet est prêt également. Donc je ne me rappelle plus ton nom, désolé. Je le marquerai dans la description de la vidéo, si j'y pense. Enfin, en tout cas, merci. Voilà. Bon bah j'ai eu un bouclier de merde. Hein. Enfin, pas de merde, mais à côté de l'armée, c'est de la merde. Merde. Voilà. Donc il n'y a qu'une personne qui peut obtenir les objets maudits. Ce que je fais. Voilà, c'est Garrett. Mais de toute façon, si vous n'avez pas rentré le code pour reprendre les objets du 1, bah, tous les objets maudits vous feront... Enfin, vous serez vraiment maudits puisque... Oh non! Merde! Ah, ça fait chier, là. Bon, bah tant pis, j'aurai pas le... Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Comme casque? Ah, boost au terre, donc on va pas... Voilà. Bon bah lui on va lui remettre ses trucs du coup. Attendez, là il y a un truc. Thank you.
Voilà. Alors, bon, on va leur mettre ça. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on a des trucs maudits, on voit pas la différence de statistiques avec les autres armes et armures équipables en fait. Enfin, ça, c'est chiant. Voilà. Bon, faut que je me dépêche quand même. Maintenant, je vais aller communiquer cela. Je fasse ton tour. Bon, c'est quand même utile d'avoir le truc pour voler pour pas rencontrer les ennemis. C'est vrai que c'est assez. Je passe par où là? Donc ici, c'est par là je pense. On va tout à l'heure. On va dans la plage. Par contre, je vois plus combien de temps durent mes vidéos, donc il y a souvent qui devraient m'écrire. Alors attendez, où est-ce que je suis là? Écoutez, vous avez promis que cette vidéo n'était pas trop intéressante. Et vous en avez la preuve. Je vais pas Oula, non, je passe bien éloigné. C'est pas grave. Bon, ben je vais récupérer cette invocation, on se retrouve la prochaine. Hein. Voilà. Donc ça on peut l'obtenir dès qu'on a creusé en fait. Voilà, hop. Et on obtient. Je vais jouer les monstres forêts hein, plus tard, c'est la question. Bon, en faisant des combats aléatoires, je pense. Donc, bah, on va se quitter ici. On se retrouve à la prochaine bon, pour une vidéo un peu plus intéressante. C'est-à-dire que je récupère la dernière invocation qui me manque. Je vous retrouverai directement à l'endroit où elle est, hein, je ne vais pas perdre du temps. Et ensuite, bah, on continuera le jeu. Enfin, on va pas aller au moment magma tout de suite, en fait, je me suis trompé. Parce qu'il y a un truc optionnel à faire. Où on peut récupérer deux djinns. Et on va rencontrer des personnes qu'on a déjà vues dans le 1. Donc, bah, à la prochaine, allez, bonne journée, salut!